Salut, c'est Kaliana et aujourd'hui on est dans God of War. Donc c'est parti. Alors, pas de vibration. Cinétique, elle est visée. On va baisser un peu la musique. Dites oui. C'est bon. Français, français, oui. Nouvelle partie. Alors. Expérience équilibrée. En mettant une histoire. Moi, je joue toujours en facile. Alors, appuyez sur R1. J'en ai trouvé. Monte dans le bateau, Atreus. Ouais, moi aussi je me balade avec un arbre sur l'épaule, hein. Facile. Tu veux toujours que je l'attache au bateau? Atreus. Ça suffira. Descendre la rivière. Père? Quoi? Quelque chose a changé. J'ai l'impression que la forêt est différente. Tout est différent, mon garçon. Essaie de ne pas y prêter attention. D'accord.
Franchement, elle serait bien une statuette de Kratos avec son arbre sur l'épaule. C'était le dernier. Voilà que je vois ma mère. Voilà que je vois mon père. Voyez, les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Elle est prête. Trouve les tiens. Tu es libre. Je suis désolée. Serre. Ce couteau, c'était le sien. Il est à toi maintenant. T'as appris à chasser? Oui, un peu. Montre-moi. Maintenant ? Maintenant.
Qu'est-ce qu'on chasse ? Tu chasses le cerf. Où ça ? Là où se trouve le cerf. D'accord. Par là. Père. Eh ben c'est bon. Pourquoi on fait ça maintenant ? Je dois m'assurer que tu peux survivre au voyage. Après, on ira vers la montagne ? Ça dépendra de toi. Allez. Qu'as-tu trouvé ? Des traces. Mais pas de cerf. Je vais continuer à chercher. C'est quoi ce truc ? Nous avons trouvé ce petit jouet près de la maison. J'en avais un comme ça. Je crois qu'il fait partie d'une collection. Si j'en trouve plusieurs, ils auront peut-être de la valeur. Ok, bonne façon d'ouvrir un coffre. Encore des traces ? Oui. Mais elles sont trop rondes. C'est peut-être un sanglier. Bien. Oula ! Et maintenant ? Par ici, Atreus. Hop ! Oh. Attends, des traces de cerf, elles sont fraîches. Par ici ! Pas si vite, Atreus. Désolé. Tu chasses le cerf. Ce n'est pas une course. Oui, père. Il a cassé le pont. Comment on va faire pour traverser ? Écarte-toi. Alors, la hache légatant. Voilà. L2 pour viser. Alors, c'est la hache. Waouh ! Vas-y. Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Le voilà ! Attends ! Qu'est-ce que tu fais ? Maintenant, il va se méfier ! Tu ne tires ! Tu ne tires que quand je te dis que tu peux tirer. Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Sois meilleur. Trouve-le. Trouve-le. Le gamin, ça a l'air d'être une tête à claque. Ah, mon arc ! Non ! Tu n'es pas prêt ! N'approche pas ! R1... Aïe. Oh.
tes drogards. Ils s'aventurent pas bon, sur les bois d'habitude. Avance. Le cerf est par là. Je vois d'autres traces. Attention à ne pas tomber. Ils avaient juste faim. Quoi ? Les loups, ils faisaient rien de mal. Ils avaient juste faim. Oui, c'était sûrement ça. C'est quoi ? Il n'en a plus l'utilité. Nous si. Tu crois qu'on a le droit d'être là? Le coffre scellé par magie runique. Trouvez et désactivez les trois sceaux pour l'ouvrir. Comme dit d'une légendaire. Augmentation de la santé maximale. Les pommes d'une sont la nourriture privilégiée des deux. Au total, 9 pommes sont cachées dans le monde dans des coffres scellés magiquement. Dès que vous en collectez 3, votre santé maximale augmente. Ok. Et ça, c'est là d'où on vient. Là-haut ! Il est entré dans le vieux temple. Mais maman m'a dit de jamais y aller. Nous faisons ce qui nous plaît, Atreus, sans exception. Tu peux me rendre mon arc maintenant.
Tu peux l'atteindre d'ici. On devrait se rapprocher. C'est pas bizarre un cerf avec des bois bleus? Maman m'a emmené chasser plusieurs fois. Mais toi, t'as jamais voulu. Pourquoi le faire maintenant? C'était ce qu'elle voulait. Et le moment est venu. D'accord. Roger! En combat, la joueuse de santé des ennemis apparaît au-dessus d'eux lorsqu'ils subissent des dégâts ou sont visés par Kratos. Allez, amenez-vous, amenez-vous. Presque à trouver un troll sous ce pont. Tu n'es pas prêt pour les trolls, mon garçon. Je sais, je... Oui, père. Suis-moi, Atreus. Je suis. Il doit y avoir un moyen d'ouvrir cette grille. Bah, il passe là, Kratos. Non ? Où est-ce que tu vas? Je crois qu'il est parti par là.
Atreus, par ici. Oh, regarde, c'est Skoleati, les loups géants qui chassent le soleil et la lune. D'où ils viennent? Comment ils sont arrivés là-haut? Qu'est-ce qui se passe ici à la fin? Ils dévorent le soleil et la lune, et après ça, tout le monde se bat? Regarde. Attends mon signal. Détends-toi. Essaie d'oublier que c'est un animal. Ce n'est qu'une cible. Vide. Alors, maintenant L2. Détends ton bras et inspire. Expire et lâche la corde. Oh, je l'ai eu. Bien. Il est encore en vie. Ton couteau. Non. Finis ce que tu as commencé. J'y arrive pas. Sur carré, tire des flèches. Ok. Ok. On a pas le choix. Tu voulais un troll, en voilà un. Hein, non, il est juste très très gros, c'est tout.
pas de lui. Hop. Atreus. Tu crois que j'ai eu peur de toi? Non mais il est mort, c'est bon. J'ai peur de personne. Atreus, regarde-moi. Regarde-moi, Atreus. Atreus, regarde-moi. Moi aussi. Tu n'es pas prêt. Quoi? Tu rigoles? J'ai trouvé le cerf. J'ai fait des preuves. Pourquoi je serais pas prêt? Maintenant, on rentre chez nous. J'ai pas été malade depuis très longtemps. Je sais que je peux le faire. Non, tu n'es pas prêt. T'entendre. Juste santé, étourdissement. T'arrives toujours pas à ouvrir les portes, hein? Silence. Ah!
Ok, à côté. Putain, c'est le roi de la nuit, quoi. Oh merde. Ah, on va le faire à coup de poing. Je t'avais bien dit que la forêt était différente. Bon. Je t'ai dit de te taire. De feu voudrait brûler le jardin de maman. Et depuis quand les drogards s'aventurent si près de la maison? Et c'était quoi cette chose qui nous a attaqués? Je ne sais pas. Maintenant tais-toi, on est presque à la maison. Y a rien par là? Allez, rentre. Tu t'es laissé emporter. Cette chose voulait nous tuer. Et toi, tu te mets tout le temps en colère. La colère peut devenir une arme. Si tu la contrôles, tu peux t'en servir. Mais ce n'est pas ton cas. Quand tu perds... J'ai pas été malade depuis longtemps. Je vais mieux maintenant. Très bien. Alors vas-y. Tu veux que je te frappe? Je veux que tu essaies. Pourquoi tu... Recommence. Pourquoi tu fais ça? Tu es trop lent. Recommence. Mais arrête! Trop mou, essaie encore. Encore. Ça suffit! Encore! Cette colère... Tu peux te perdre en elle. La route est longue et difficile. Et toi, Atreus, tu es loin d'être prêt. C'est quoi ça? Silence. Sors de là! Ça sert à rien de te cacher. Je sais qui tu es. Qu'est-ce qui se passe? Tu le connais? Et mieux encore, je sais ce que tu es. Atreus, sous le plancher. Allez! Tu m'as toujours interdit d'aller là-dessous. Tu sais qui c'est? Je n'en sais rien. De quoi est-ce qu'il parle? Aucune idée. Rentre là-dedans. Dis-moi seulement ce que je veux savoir. Inutile de faire couler le sang. Oh,
te voyais un peu plus grand. Mais pas mais toi, t'es tout petit. Bien, toi. Tu es bien loin de chez toi. Qu'est-ce que tu veux? Oh, je suis persuadé que tu le sais déjà. Peu importe ce que tu cherches, je ne l'ai pas. Passe ton chemin. Et moi qui croyais que ceux de ton espèce étaient sages, tellement meilleurs que nous, tellement plus brillants. Pourtant, tu te caches ici dans les bois comme un sale. Tu es sûr de vouloir te battre? Oh. Mais c'est bien pour ça que je suis là. Par de chez moi. Oh. J'ai bien peur que tu doives me tuer pour ça. Je t'avais prévenu. Enfin ! Tu aurais dû écouter. Non. 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 D'accord. À mon tour. Ah, je suis terriblement déçu. Allez, amène-toi. Pathétique. Je m'ennuie. Tu le fais exprès ou quoi? De péter tous les arbres, oh là. Dis-moi ce que je veux savoir et je te laisserai tranquille. Pourquoi est-ce qu'il y a de lits ici? Toucher un point sensible, on dirait. Qui est-ce que tu caches? Tu es vieux et lent. Tu n'aurais pas dû venir en garde. Bien. L'autre. On remet ça. Oh, la régénération, quoi. Tu parles trop. Tu refuses de parler? Très bien. La personne que tu caches dans cette maison sera peut-être plus loquace.
protège, hein? Je vais trouver. Pathétique. Je m'ennuie toujours. Aïe. Espèce d'imbécile. Je n'ai pas le temps pour ça. Voilà ce qui arrive quand on est là, Kratos. Tu pars déjà. Il a fallu que tu fasses le malheur. Tu peux me frapper autant que tu veux. Je reviendrai. Ton corps va finir par lâcher. Mais avant que je l'achève, il y a une chose que tu dois savoir. Je ne sens rien. Rien. Tu l'as vu de tes propres yeux, tu ne peux pas me blesser. Je suis invulnérable. Ce combat est inutile. Tu as perdu d'avance. Nous aurions pu éviter tout ça. Pas des... Tu ne peux pas gagner. Je ne sens rien. Mais toi... Tu sens tout, et pourtant, tu continues à chialer. Je suis pas comme mon frère. Si tu m'avais donné ce que je voulais, on n'en serait pas là. Mais non! Finissons-en. Ah!
ferai qu'en t'affrontant. Toi, en tout douce, j'aurais fini par sentir quelque chose. Mais c'est impossible. Qui était-ce? Il savait qui j'étais. Est-ce qu'il connaissait mon passé? Comment m'ont-ils trouvé après tout ce temps? Fay, qu'est-ce que je dois faire? Notre fils n'est pas prêt à porter des cendres au sommet de cette montagne. Et moi non plus. Je ne sais pas comment y arriver sans toi. Mais on ne peut pas rester là. Avec tout ce bruit, j'ai cru que... Tu n'as rien? Je vais bien. Bien. Prends tes affaires. Nous partons. Je croyais que j'étais pas prêt. Tu ne l'es pas. Mais nous n'avons plus le choix. Prouve-moi que j'ai tort. Oui, père. La montagne. Ça va être un long voyage. Oui. Mais c'est important. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Fais pas gaffe au bordel, hein. Qui c'était? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il nous voulait? On n'a rien de spécial. Tu l'as tué? J'ai fait ce que j'avais à faire. J'aurais pu mourir. Ne me laisse plus jamais seul, d'accord? D'accord. Monte. T'as déjà tué des hommes avant, n'est-ce pas? T'as l'habitude. On fait ce qu'on a à faire pour survivre. Les animaux, je comprends. On les mange. Les drogards, ils sont censés être morts. Mais les hommes, ils essayent de survivre aussi. Tu dois fermer ton cœur. Au cours de notre voyage, nous devrons affronter de nombreuses créatures. Ignore leur désespoir. Ferme ton cœur à leur souffrance. Tu ne dois pas ressentir de pitié pour eux. Ils n'en auront pas pour toi. Je comprends.
Tu crois que c'est là depuis tout ce temps? Tu veux bien m'aider à voir là-haut? J'aurai une meilleure vue. La seule chose à faire, c'est de traverser ce pont. Tu crois pouvoir la baisser de là-bas? Vas-y. C'est bon. Reste. Bonne idée. Ce seau, tu crois que c'est pour les offrandes? Maman disait que les disciples d'Odin les remplissaient de cadeaux et les accrochaient hors de portée des voleurs. Celui-ci a l'air très vieux. Stupide. Quoi? De vénérer les dieux? Les dieux n'ont que faire des offrandes, et les hommes ne devraient pas vénérer des monstres. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Là, c'est quoi? Bon, là, on peut pas monter. Je vois quelque chose là-haut. Père, est-ce qu'on croisera des gens sur la route? Oui. Gentil? Non. Ils essaieront de nous détrousser? Peut-être bien. Regarde. Depuis tout ce temps, la forêt tout entière était protégée par un symbole. Mais... le symbole est brisé, là. C'est toi qui les as coupés? Elle avait marqué les arbres qu'elle voulait pour son bûcher. Pourquoi elle a fait ça? Viens. Trop tard pour les regrets. Dis, combien de temps on va mettre pour atteindre la montagne? Je ne sais pas. On y sera avant l'hiver? Je ne sais pas. C'est bon, c'est bon.
Il nous voit pas. Je tire. C'est pas les drogards qui manquent par ici. D'autres drogards. Atreus, concentre-toi! L'indicateur doré signale un ennemi proche. Rouge, attaque imminente. Violet, projectile. Après, ça file la gerbe. Diversion. Distrait ceux dont je ne peux pas m'occuper, mais uniquement si c'est sans danger. Je peux le faire. Regarde! Il y a un campement de Jotnars là-bas. Des Jotnars? Des géants. Tu sais lire ces inscriptions? Certaines. Uniquement les langues que maman connaissait. Mais elles se ressemblent toutes, alors parfois j'arrive à comprendre même si je les ai pas apprises, tu vois. On y est par là. Tu l'as eu. Autre chose ? Espace tes tirs, la vitesse te fait perdre en précision. Compris. Eh, on dirait qu'il y a un coffre là-bas.
Ok. Premier en bois. Puissante attaque qui gèle des adversaires de petite taille. Maintenez R1. Ouais. Wow, oh, comment okay. T'as fait ça? Je pense qu'on peut aller par ici. Vas-y. Merci. Voilà la montagne. Allons-y. Attends. Ça craint rien. Tu vois? Accroche-toi! Vite! Je glisse! Reste calme! J'y suis presque! C'était pas si mal? Calme-toi! Ton empressement nous tuera! Désolé. Oh, encore des drogards. Mais ceux-là bougent pas. Ils sont morts. Enfin, plus morts. Atreus. Ils sont pas morts, ils sont pas morts. Putain, mais ce gamin, il fait que des conneries. N'oublie pas, la précision avant la vitesse. C'était le dernier. C'était mieux. Prends encore plus ton temps. Peu importe si tu ne tires qu'une fois. L'important, c'est la maîtrise. Regarde ça. Lila. Oh, c'était une sorte de marché. Les géants se rassemblaient ici pour commercer avec les dieux, il y a très longtemps. Je me demande si Odin est venu ici. Il y a quelque chose là-haut! Il y a quelque chose derrière le mur! Thank you.
Aïe. Père, Oh, il est chiant ce gamin. Tu entends? Qu'est-ce que c'est? On verra bien. Ne t'éloigne pas. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait une petite vieille qui chante. C'est Gollum, il s'est trompé de jeu. On s'approche du champ bizarre alors. Venante venimeuse. Yeah. Je comprends toujours pas pourquoi cet homme t'a attaqué devant chez nous. Je te l'ai déjà dit. Je ne sais pas non plus. C'est quoi là-haut ? Il faudrait qu'on arrive à remonter là-haut. Mais comment ? Suis-moi. Ah, je l'avais pas vu. On va s'arrêter là, c'est une bonne petite session vidéo.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, salut!